Cet hiver, les boulistes n'envahiront pas le parc des expositions comme traditionnellement depuis 19 ans pour le national de pétanque. L'épreuve a été tout bonnement annulée par ses organisateurs qui remettent en cause la nouvelle gestion du parc des expositions pratiquant, d'après eux, des prix prohibitifs. L'année dernière, le devis était de 7 900 euros pour les trois halls et le restaurant. Et cette année, on a eu la surprise d'avoir un devis de 51 000 euros pour la même surface. Sauf que depuis, le parc a été repris par une société privée qui nous a demandé un devis de 51 000 euros. Donc on a rencontré les élus de la ville, de la CAT. Le devis a été revu à la baisse. On nous a présenté un devis de 30 000 euros avec des nouvelles prestations à notre charge. Ce qui fait que financièrement, c'était impossible. Chez GL Events, on se défend de telles accusations. On pointe au contraire les faveurs accordées au national par la ville les années passées. Le national de pétanque bénéficiait de nombreuses aides, notamment à travers des interventions d'ouvriers municipaux pour le montage, le nettoyage, l'enlèvement du sable. Aujourd'hui, le parc des expositions est géré par une société privée, donc nous appliquons les tarifs qui ont d'ailleurs été définis dans la délégation de services publics. On n'a rien inventé. Et évidemment, les coûts ne sont plus tout à fait les mêmes, mais les coûts du parc des expositions ne sont pas plus élevés que dans d'autres parcs. Dernièrement, la communauté de l'agglomération troyenne avait réussi à faire baisser le devis à 26 293 euros par le biais de diverses aides, mais cela n'arrivait pas à convaincre les responsables du comité de l'Aube de pétanque, réfléchissant déjà à d'autres issues possibles. On va essayer, j'ai bien essayé une nouvelle formule en septembre. On avait essayé en 2006, quand il y avait eu la rénovation du parc, de faire au mois de juin, ça avait été un flop complet. Même les équipes au bois ne s'étaient pas déplacées. On avait eu difficilement 188 équipes. Donc on va essayer en septembre, mais tout dépend du temps. Hormis ce projet en gestation, le comité de l'Aube de pétanque a aussi réfléchi à un possible transfert du national devant le parc des expositions. Après 19 ans disputés dans ce parc, l'histoire se termine en queue de poisson.